Adèle a enfin retrouvé le bonheur. Sur son compte Instagram, vendredi 6 mai 2022, au lendemain de son anniversaire, la chanteuse a partagé une très belle nouvelle. L'artiste a assuré se sentir bien dans sa peau et dans sa tête. Combien de choses peuvent changer en une année? Si le temps continue de guérir et de défroisser les plis de ma vie comme il le fait alors que les années filent, j'ai hâte d'avoir 60 ans. Je n'ai jamais été aussi heureuse, a-t-elle écrit, dans un premier temps, en légende de deux photos où elle sourit à la vie. Tant de leçons, tant de bénédictions pour lesquelles je suis reconnaissante. J'ai 34 ans, et j'aime ça. Merci pour tout l'amour transmis pour mon anniversaire, comme toujours. Les dernières années d'Adèle ont été particulièrement compliquées. À l'âge de 30 ans, côté vie privée, elle n'a pas toujours été heureuse. Elle s'était séparée du père de son fils Angelo, Simon Konecki, qu'elle avait épousé en 2018. À de nombreuses reprises, dans les médias, elle s'était confiée sur ce divorce en assurant qu'elle n'était pas heureuse. Depuis, celle qui a perdu beaucoup de poids, remonte la pente et profite de tous les petits bonheurs de la vie. Adèle a eu besoin de prendre un nouveau départ à ses 30 ans dans son dernier album, 30, l'âge auquel elle a commencé à l'écrire. Adèle évoque ses nombreux coups de cafard, son besoin de voir autre chose ainsi que son chagrin d'amour. Aujourd'hui, elle se concentre sur sa musique et semble être plus heureuse dans les bras de son nouvel amoureux, l'agent de basketteur Rich Paul. De quoi bien entamer sa 35e année. Loading Widget. We'll be right back.